Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Parcours Scout et dans la rubrique Conseil des chefs. Conseil des chefs est une rubrique pensée pour mettre en lumière des responsables de notre association qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de notre association pour qu'ils puissent partager avec nous leur expérience, leurs anecdotes, leurs petits secrets qui ont fait d'eux les grands chefs que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui donc, je reçois pour vous le chef Hippou Christophe, qui est de la Branche Jaune, qui a fait ses preuves à Boaké et qui y réside actuellement. Le chef Hippou m'a fait la surprise de nous recevoir dans un cadre qui va vous rappeler beaucoup de choses. Ensemble, recevons donc le chef Hippou Christophe. Je vous remercie. Salut, salut, c'est Chef Hippou. Je prends la peine et la joie ce matin de vous ramener au camp fixe, le lieu mythique que tous les scouts de Côte d'Ivoire connaissent et qui un jour ont fréquenté pour commencer l'émission qui est Conseil de Chef. Alors, Conseil de Chef ce matin, c'est au camp fixe avec Chef Hippou. C'est parti. Il n'est pas aisé de parler de soi. Et parler de mon parcours scout serait vraiment pour moi vous partager un moment de joie et de bonheur. Et je l'ai dit, c'est Chef Hippou, voilà, un scout de Boaké, scout de Côte d'Ivoire. Je suis marié et père de 3 enfants. Pour le moment, j'ai 3 enfants. Voilà. Et mon nom de totem, c'est Perroquet Bavard. Tout le monde ne le connaît pas, c'est une histoire que seuls les initiés connaissent. Alors, mon parcours scout. Je l'ai dit, je suis scout depuis l'enfance, depuis 1986. Et j'ai commencé comme scout laïque à l'époque où on habitait le quartier Coco, pour ceux qui connaissent Boaké. Et c'était à l'école Coco 1. Ensuite, à Saint-Viateur, lorsque les parents déménageaient en Gatakro. Et puis, quand je suis allé au collège, évidemment, à Saint-Viateur, j'ai intégré ce groupe et j'y ai fait tout mon parcours de louveteau jusqu'à être chef de groupe. Et ensuite, dans le district, à l'époque, Boaké avait 2 districts, le district Boaké Ouest, le district Boaké Est, et j'ai été commissaire du district Branche Jaune sous le commissaire Mominé, Madame Mominé, que tout le monde a connu. C'est un peu là mon parcours scout. Pour moi, être devenu scout ou être scout, ça m'a apporté beaucoup de choses. Voilà, le scoutisme, je peux dire, a posé les jalons de ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, l'a été grâce au scoutisme qui m'a permis d'en poser les jalons. Et ça m'a permis de me développer ce que j'appelle l'esprit entrepreneurial, l'esprit d'entreprise, l'esprit créatif. Croire que je peux penser un projet et mettre les moyens selon la méthode scout pour réaliser cela. Et ça, c'est une chose notable que le scoutisme m'a apporté. Ça m'a aussi apporté ce que j'appelle le désir et le sens du service des autres. J'aime servir les autres, j'aime être à leur service. Donner un coup de main à ce qui se fait autour de moi, aux personnes qui en ont besoin, c'est toute une joie pour moi de le faire. Et la dernière des choses que je peux noter, comme il y en a plusieurs que le scoutisme m'a apporté, une autre chose que je peux noter, c'est le sens du partage. Partager ce que je sais. La raison pour laquelle je suis devenu aujourd'hui formateur, je vais en parler tout à l'heure, partager mes connaissances, partager le peu de choses qui pour moi peut aider une personne à passer le cap, à devenir meilleur, à avoir la solution à une démarche pour laquelle il est en face, face à laquelle il cherche une solution. Voici les choses, l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit créatif, l'esprit d'initiative, le sens du service des autres et ensuite le sens du partage. Ces éléments fondamentaux font ma personne. Voilà. Nous allons parler de mes souvenirs scouts et cela reste pour moi marqué par de grands événements que je ne peux tous citer. Je vais juste citer quelques-uns. Le premier, c'est le camp de réflexion sur l'élaboration du manuel de chef de meute que nous avons à l'époque rédigé avec le soin et le travail du chef Lédou Marcel, à l'époque commissaire national Branche Jaune. Ça, c'était mon premier événement marquant qui a marqué ma vie de scout. Le deuxième, c'est ma participation au premier Louboré. J'y suis allé avec 12 louveteaux et c'était un événement qui est resté à jamais gravé dans la vie de ces jeunes-là qui, pour la première fois, sortaient de Boaké. Voilà, le premier Louboré, ça doit être en 1998, si mes souvenirs sont bons, 97-98.
et ça a été vraiment une grande joie. Ensuite, ma distinction au Loup d'or, la distinction, la reconnaissance du travail des chefs de meute à l'époque. On n'était pas très nombreux. Je me rappelle qu'on était avec le régional, l'actuel régional de Korogo, le chef Koulibaly que je salue au passage, le chef d'Akia Seri Bertrand, Pascal Kwame, et on était vraiment heureux et fiers d'être reconnus par l'association à travers cette distinction du Loup d'or. Et le dernier souvenir, ça a été mon camp de bâche de bois que j'ai fait dans cette forêt, dans ce camp fixe, ce mythique camp, et qui m'a permis en 1999 de passer véritablement le cap de chef scout. Et nous sommes la promotion Kwasi Ba Séraphin, et je profite pour saluer tous les amis avec qui nous avons eu la joie de faire ce camp. Je salue tous les responsables que j'ai un peu fatigués. Suite à cela, j'ai été totomisé à ce camp en perroquet bavard, et c'est avec beaucoup de joie que je crois qu'on se rappelle encore les bons moments que nous avons passés à ce camp. Vous voyez derrière moi le camp, c'est l'UNZI, le sous-camp l'UNZI. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce que je fais comme activité professionnelle. Sachez que j'ai plusieurs cordes à mon arc et je vais vous présenter quelques-unes. La première, c'est que je suis coach formateur en entrepreneuriat et développement personnel. Je fais beaucoup de formations sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Il va sans dire que moi-même, j'ai une entreprise. Mon entreprise s'appelle e-Group. Nous sommes spécialisés dans la construction, qui fait que je suis entrepreneur dans le BTP. Voilà, je fais la construction, je fais la réhabilitation de bâtiments. Et c'est la deuxième chose que je fais. À côté de ça, je suis aussi entrepreneur social. Un entrepreneur social, c'est celui qui est engagé dans une cause, pas pour gagner de l'argent, mais pour que le monde se porte mieux, pour faire avancer une thématique sociale, une thématique qui intéresse le mieux, qui intéresse le monde. Et moi, je suis sensible au fait que les Africains meurent du paludisme. Aujourd'hui, nous avons trouvé la solution. À travers l'Artemisia, on peut se soigner à moindre coût et se soigner efficacement et ne plus dépendre des firmes pharmaceutiques qui se font de l'argent quand les Africains sont malades. Et la quatrième chose que je peux dire comme engagement professionnel, c'est que je suis journaliste, je suis producteur radio et je suis au service de la RNC, la Radio Nationale Catholique, qui a un relais à Boaké, où nous sommes au service du diocèse de Boaké pour l'évangélisation. Voilà un peu au niveau professionnel ce que je fais. Plusieurs cordes à mon arc, il y en a bien d'autres, mais voici pour l'essentiel ce que je fais. Nous sommes maintenant au sous-camp Le Cavalli, ce beau sous-camp où j'ai passé ma première nuit au camp fixe et où j'ai vécu une histoire extraordinaire pour laquelle je vais vous en raconter l'anecdote. Alors, la loi scout, dans l'article 6, dit: le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. Et à notre premier camp, à mon premier camp scout que j'ai fait ici, j'étais encore louveteau, nous avons logé dans ce sous-camp, Le Cavalli, et on est venu pêcher ici. On a vu des poissons qui étaient en bande et on les a pêchés. On a eu l'expérience de faire une belle pêche, mais qui va être l'instrument pour notre chef. À l'époque, le chef Ouattara Valentin, que je salue, il était professeur assimilateur, pour nous expliquer le sens de la création à travers cet article de la loi scout. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. À partir de cet instant, je vous assure qu'il ne m'est plus venu à l'idée même de faire du mal à n'importe quel être vivant, encore moins les oiseaux et les poissons. Alors, conseil de chef, à la fin, pour terminer, j'aimerais d'abord dire merci au chef Olivier Gallet qui a pris l'initiative de ce film, on dira, de nous permettre de faire mémoire de notre histoire commune. Pour moi, je rêve avec vous d'un mouvement scout qui répond aux attentes de la jeunesse, mais véritablement et en profondeur qui répond aux attentes de la jeunesse. Regardez un peu cette jeunesse qui est un peu désorientée dans toute cette crise qu'elle connaît. Et donc je rêve avec vous d'un engagement du mouvement scout qui réponde aux attentes de cette jeunesse-là, mais en même temps qui répond aussi aux besoins de la société ivoirienne qui en manque de modèles. Regardez les modèles qu'on nous présente aujourd'hui. Regardez les modèles qu'on présente à la jeunesse. Alors que le scoutisme regorge de tellement de valeurs. Et je termine par dire encore aux jeunes,
vous qui êtes en activité dans le mouvement scout, vivez pleinement le scoutisme. Vivez le scoutisme pour qu'il forge votre caractère, pour qu'il forge votre être, pour que le scoutisme fasse de vous demain des personnes qui ne regretteront pas d'être passées dans ce mouvement. Des personnes qui seraient fières d'avoir passé du temps avec d'autres bien sûr, mais aussi qui sont fiers de qui ils sont devenus aujourd'hui, parce que le scoutisme leur aura beaucoup apporté. Pour ma part, et pour terminer véritablement, je dis merci à tout le monde, je dis merci à ceux qui nous font confiance, qui nous appellent à des responsabilités. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de foulard parce que je suis encore avec les scouts au niveau de la région de Bouaké. Et j'apporte ce que je peux faire, j'apporte ce que je sais faire, autant que je peux le faire selon ma disponibilité, pour dire que avec vous et avec tous les scouts catholiques de Côte d'Ivoire, scout un jour, scout toujours. C'était Chef Hip. Merci au chef Hippo Christophe qui s'est prêté au jeu de nos questions, qui nous a reçus dans un endroit paradisiaque, un endroit mythique des scouts catholiques de Côte d'Ivoire à Bouaké. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro de Conseil des chefs. Merci.